Et salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de E égale Minecraft. Alors aujourd'hui je vais encore vous parler de Darkcraft, une nouvelle chose de Darkcraft, enfin pas une nouvelle chose, sûrement que certains d'entre vous le savent déjà, mais figurez-vous que l'enchantement ban fait avec l'œil d'araignée dans Darkcraft n'est pas un ban of arthropode comme on pourrait le croire à tort, comme je l'ai également cru à tort au début. Et figurez-vous qu'en fait l'enchantement ban sur les forces sword a pour effet non pas de tuer des araignées plus facilement, mais de bannir les bon, je vais y arriver, de bannir les compétences de certains mobs. Donc c'est-à-dire que je vais faire comme ça. Pour un Enderman, comme vous avez vu, qui se téléporte, si j'arrive à lui mettre un coup d'épée, eh ben, il se téléportera plus. Et donc, en fait, ban va permettre de désactiver les techniques, les techniques, je me souviens plus du mot que je voulais employer, inhérente à un mob, on va dire, comme pour le creeper. Enculé. Ou pardon, excusez-moi. Normalement, pour le creeper, si je fonce dessus et que je lui mets un coup d'épée, il n'explose plus. Donc voilà. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que dans Darkcraft, l'enchantement ban, en fait, ne fait que bannir les compétences secondaires des mobs, on va dire. Comme exploser pour le creeper ou se téléporter pour l'Enderman. Peut-être la faculté d'empoisonner pour les araignées, je n'ai pas essayé, on peut tester. Est-ce que tu peux me... Elle est où? Oh la con. On recommence. Alors? Ah, tu peux plus rien faire maintenant. Bon bah voilà, ça enlève même le poison des araignées. Donc c'est pas mal. Donc voilà, je voulais vous parler de ça, l'enchantement ban, qui finalement, alors ça peut se mettre qu'une seule fois sur l'épée, vous pouvez mettre qu'un œil, mais ça a un côté bien pratique si vous voulez aller à la chasse à un Enderman ou pour les creepers, un creeper qui arrive, pof, un petit coup d'épée, il n'a pas le temps d'exploser. Enfin, ça peut être pratique. Donc voilà, moi sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne fin de nuit et je vous dis à la prochaine. Bye bye.